Nous avons un débat sur qu'est-ce que l'école républicaine. Absolument. Non, mais c'est le fond du débat d'ailleurs. Mais, pardon, alors, juste pardon, un point. Fond. Mais vraiment, là, c'est intéressant. Et il y a une vraie différence, là aussi. Entre la gauche et la droite. Moi, ce que je. Mais non, mais ce que je ne comprends pas. Non, mais j'essaie de comprendre. C'est que la droite républicaine qui nous a expliqué très justement, et j'étais à ses côtés dans ces moments-là, qu'on devait lutter contre les territoires perdus de la République. On devait lutter contre ces familles qui, au nom de leurs convictions religieuses, retirent les enfants des cours d'histoire quand on enseigne la Shoah, ne veulent pas qu'on enseigne la théorie de l'évolution. Aujourd'hui, nous avons des familles qui ne veulent pas qu'on enseigne l'égalité à leurs enfants. Mais c'est fou, mais parce que ce sont. Madame. Si, vous avez cédé sur les stéréotypes, filles, garçons et l'égalité. Madame la députée, je suis désolée, c'est que vous soyez pas on enseigne la confusion des gens. J'ai vu Madame Belkacem aller à l'école et dire aux enfants qu'ils allaient devoir retourner dans leur famille pour changer la mentalité de leurs parents. Comme si l'école de la République était là, pour rééduquer les parents. Et bien, je peux vous dire, j'ai prévenu, j'en ai discuté avec des conseillers de l'Élysée. J'en ai discuté avec les conseillers de l'Élysée et je leur ai dit ce qui s'est passé dans la manif pour tous en termes de diversité. En termes, exactement, pas, exactement. Eh bien, c'est ça alors, qui fait plier aujourd'hui le gouvernement. C'est de découvrir à quel point vous êtes en train de perdre les quartiers. Non. Vous ne donnez pas pour l'instant. En allant dans les écoles. Si vous parlez des islamistes de l'UOIF que vous avez promu leader de la manif pour tous, et des gens qui sont proches du Hamas et de venir en cause de M. Kamel Béchi qui était porte-parole de la manif pour tous. Ce qu'on demande aux parents, ce qu'on demande, ce que les parents demandent à l'école, qu'il y avait des islamistes radicaux, absolument. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que dans les quartiers, attendez, ça suffit. Monsieur Kamel Béchik n'a pas Kamel Béchik est porte-parole de la manif pour tous, et absolument, ah, il si. Est. Ah bah merci, a... vous venez de dire le contraire. Donc Monsieur Kamel Béchik pas du proche du attendez, j'ai dit le contraire de quoi? Qui est proche d'Alain Soral. Ce que je suis en train de vous dire, vous avez nié ce que j'ai dit dans un premier temps. Vous venez de le reconnaître. Attendez, merci. Vous êtes Monsieur Kamel pas vous Béchik qui faites que vous mettez en si avant. Vous êtes militante ici. Mais je vous donne je des faits. Non, vous êtes militante aussi. Je ne suis pas dans un interrogatoire. Et moi je ne suis pas dans. Non, non, mais attendez, c'est un interrogatoire. Je pas du tout. Vous venez de reconnaître. Pardon. Non, non. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Que les gens comprennent. Les parents sont inquiets. Les parents sont. Mais je voudrais juste terminer mon de argument. Voir que l'école de la République. Vous n'allez pas en mourir, vous allez laisser terminer mon argument. Et quand on parle de diversité des gens qui sont dans la rue aujourd'hui, ils sont importants, ils représentent une part importante on de la France. On avait un tweet à qui disait tous les partis traditionnels. Ne soyons pas naïfs sur la diversité. Il y a des musulmans réactionnaires, il y a des catholiques réactionnaires, il y a des gens qui considèrent que l'école doit être à la carte et ne doit pas inculquer les valeurs républicaines. Eh bien oui, nous ne pouvons pas être d'accord.